Moi, je trouve que ça nous donne beaucoup de visibilité par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Le basket en fauteuil roulant, quand on fait les matchs, souvent, ça se passe un peu en huis clos. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs, il y a peut-être 10, 15, 20. Et bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de spectateurs, beaucoup de personnes qui ont découvert le basket. Enfin, le basket en fauteuil roulant. Ce que j'ai aimé, c'est... Tout le monde que j'ai vu plein de personnes que je connaissais avant, j'ai vu plein d'équipes très très fortes. Et le deuxième jour, mon objectif c'était d'aller en finale et on y est arrivé, mais malheureusement on a perdu. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Franchement, la FIBA nous met un terrain qui est franchement très très joli, comme on peut voir derrière toi. Et même en termes d'ambiance, toi entre les communautés qui sont très très conviviales, on a pu échanger avec différents pays tels que l'Italie, la Lituanie. Franchement, c'était très sympa d'échanger. Ça se ressent aussi dans le basket, les gens sont très tolérants, même les arbitres. Franchement, c'est très cool. Moi, j'ai eu que des retours positifs de mes joueurs, donc le résultat compte après, on va dire. For me, it's the first time here, first of all, and I really like this. This is an amazing place to be and to play next to it. It's like, I think it's the perfect organized stuff. So it was a pleasure for me to be here and to play this tournament with my teammates. For us, it was very chill. Like, we came here, we wanted to enjoy playing basketball because it's the off season of 5-on-5. So you just want to play for yourself and for your team. Agréablement surpris par ce temps et on a donc pu jouer avec pas mal d'équipes, que ce soit la Lituanie, l'Italie, la Belgique, et donc c'est assez sympa de se retrouver après ces temps de Covid. Alors on attend déjà de permettre à nos joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de voyager de découvrir d'autres équipes, de pouvoir aller jouer, d'avoir la chance de jouer à l'international ici au siège de la FIBA. Alors nous effectivement on est Special Olympics, mais on a aussi la chance de voir qu'il y a différentes équipes, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, mais aussi on a là juste derrière nous un match de basket fauteuil. Et donc c'est vraiment agréable de voir que tout le monde est vraiment uni autour du monde du basket. Ça leur permet de découvrir des choses. On va avoir notamment les Lituaniens qui sont arrivés avec un livre photo à nous offrir pour faire découvrir leur pays. Et on a encore les Autrichiens qui nous invitent dans un tournoi dans leur pays au mois de novembre. Donc c'est vraiment une très bonne ambiance. Franchement, ça se passe super bien et ça permet de jouer tous ensemble avec des gens, même des étrangers, et ça franchement c'est grave cool. Bah, déjà le fait qu'il y ait la maison du basket, ça apporte un plus parce que bah, on peut voir plein de choses qu'on ne voit pas ailleurs. Même de découvrir les structures et tout, c'est super bien organisé, les arbitres, tous les bénévoles qui sont là, franchement c'est... Enfin, on ne voit pas ça partout, quoi.